Shalom Lekoulam, nous sommes avec Laurence qui a voulu aujourd'hui témoigner sur son parcours, sur son apprentissage de l'hébreu depuis quelques années déjà. Elle a écumé pas mal de cours, de méthodes. Si vous voyez que vous êtes plutôt, vous avez des points communs dans ce parcours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et aussi peut-être nous contacter si vous voulez aussi témoigner. Et nous donner un petit peu votre expérience, parce que ça nous intéresse. On veut en savoir plus sur vous qui nous suivez sur Accord d'Hébreu. Laurence Manishma, Kolbesader. Vous habitez où, Laurence? J'habite dans l'Oise, près de Chantilly. D'accord, ok, mais vous êtes une ancienne Parisienne. Oui, j'habitais près de Paris, à Courbevoie, et je pouvais aller faire des choses sur Paris que je ne peux plus faire maintenant. Donc c'est vrai que ça a un peu changé la donne. Alors, votre histoire avec l'hébreu, ça commence quand? Pourquoi déjà vous vouliez apprendre l'hébreu? J'ai un lien affectif avec cette langue Ouais. et j'ai commencé à apprendre les lettres, à déchiffrer, à faire les caractères hébraïques un peu en famille et avec des amis. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de continuer. Et je vais aussi en Israël assez souvent. Donc maintenant, j'aime bien pouvoir avoir un contact un petit peu plus authentique avec les Israéliens. Et vous avez commencé il y a quelques années à prendre carrément des cours collectifs, notamment à la synagogue de Copernic à Paris. C'est ça, exactement. J'ai suivi pendant 3 ans un cours hebdomadaire, genre 2 heures et demie par semaine sur le rythme scolaire, avec une prof qui était une ancienne professeure d'Ulpan, qui nous a vraiment motivés et qui était hyper intéressante. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu envie de continuer malgré le déménagement. Alors, vous avez fait votre exode rural, si j'ai bien compris, mais avant tout, parlons peut-être de ces cours collectifs que vous aviez pris. Vous m'aviez dit que vous en gardez une bonne expérience. Par contre, concernant la classe globale, c'était plutôt hétérogène au niveau des Voilà. niveaux. Ça piétinait un peu, non? On s'entendait tous très bien, on faisait une bonne équipe, mais c'est Ouais. vrai que pour le travail, on n'était pas tous ou aussi libres ou aussi assidus. Donc, il y avait un décalage et il y en avait qui étaient meilleurs que certains, dont moi, et d'autres qui étaient, qui progressaient pas beaucoup parce qu'ils n'avaient pas le temps de travailler. Donc, c'est vrai que c'était peut-être pas tout à fait efficace pour tout le monde de la même façon. Et il y avait Ouais. un rythme à prendre qui n'était pas forcément évident. C'est quoi? Il y a certains qui étaient meilleurs en lecture, moins bons à l'oral, et vice-versa, des gens qui étaient meilleurs à l'oral et Bon, moins bons sur la lecture. c'était un niveau global, en fait, ceux qui étaient meilleurs, ceux qui lisaient mieux, ceux qui allaient plus vite, ceux qui avaient déjà pratiqué un petit peu. On était un petit peu hétérogène, mais parce qu'on n'était pas hyper nombreux. À part le côté bon enfant, est-ce qu'il y a quand même de la frustration? De pas aller au rythme qu'on voudrait. Dans la mesure où je débutais, ce n'était pas forcément une frustration, mais c'était D'accord. une question d'organisation. Oui, enfin, une frustration, si on veut dire, mais dans le sens où il fallait après essayer de voir ce qu'on avait retenu et c'était pas toujours évident, quoi. Donc après, vous avez plutôt, on va dire, quitté Paris et vous vous êtes réfugié dans des méthodes qui étaient plus, on va dire, des livres. Livre et Non. autodidacte, oui, parce que Ah c'est ce oui, que... aussi vous m'avez dit aussi notamment sur Morine.com avec des fiches de Serge Friedman Oui, aussi. c'est ça. Et j'ai pu prendre quelques cours avec Serge aussi. Par internet et Oui, c'était très bien. avant qu'il nous quitte, Oui, Serge Friedman. c'était très bien parce que ça m'a permis quand même de me remettre un petit peu à parler parce que apprendre sur l'écran c'est bien, mais de parler c'est bien, c'est mieux aussi parce qu'après il faut se servir de ce qu'on a tenté de retenir. Vous avez pris quoi comme méthode papier? J'avais des livrets d'Ulpan que j'avais récupérés par-ci et par-là. D'accord. Qui avait fait soit l'Ulpan en Israël, soit. Ah, vous aviez récupéré des bouquins, d'accord, Mais mais c'est vous trop êtes difficile. surtout. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail parce que c'est pas traduit. Ce que j'aime bien D'accord. dans cette méthode, c'est qu'on a tout de suite la traduction et je trouve que le temps qu'on passe à chercher les traductions seules, enfin en tout cas pour ma méthode à moi, je trouve qu'on perd un peu de temps par rapport à la mémorisation. Donc. On va parler d'Accord d'Hébreu juste après. Donc effectivement, quand vous êtes un peu réfugié dans les livres un petit peu par-ci par-là, vous avez senti que le niveau était déjà très 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 haut et pas adapté.
Oui, c'est ça, c'est difficile de. Soit c'est tout bête et bon, j'avais passé ce stade-là, soit ça me demandait beaucoup de travail personnel avant le travail de mémorisation Oui, aussi. d'études, vous avez dit d'études, c'est-à-dire étudier Oui. vraiment les textes, comprendre la syntaxe, la conjugaison, tout Ouais. un travail de personnel que vous deviez Alors faire c'est et hyper intéressant, hein, mais. qui vous, comment dire, demandait de l'énergie, qui vous épuisait un peu. Oui, dans le temps surtout. Ouais, Ouais, c'est d'accord. beaucoup de temps, ouais. Vous avez connu À Court Débrouille il y a combien de temps? Oh, ça fait un petit moment, je crois que je vous ai vu quand vous avez commencé cette opération. Il y avait un concours, c'était quoi Oui, il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Donc, D'accord. j'ai commencé déjà à regarder un petit peu les vidéos. Mais je n'étais pas tout à fait prête à investir dans un cours. Je vous ai trouvé plusieurs fois sur YouTube, parce que quand on cherche, on trouve pas mal de cours sur YouTube. D'abord, j'ai commencé par regarder vos cours qui étaient à disposition et puis après, je me suis dit, allez, je me lance. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez nous? Alors, ce n'est pas de la vente de la Cour d'Hébreu, hein, chers Non, amis, non, non, qui non, nous regardez, mais c'est juste pour savoir justement en quoi ça a répondu à vos attentes, peut-être. j'ai vu que c'était structuré et oui, ça faisait leçon par leçon. Moi, ça correspond un petit peu à ce dont j'avais besoin au moment où. Ça colmate les espaces qu'il y a entre des connaissances que vous avez apprises et que vous avez glanées Ça ça et colmate là et qui et sont un ça petit se peu structure. disparates. Ouais, c'est ça. Vous aviez besoin qu'on vous mette un peu les choses sur un plateau et pouvoir Oui, tirer de à structurer, votre. de faire cours par cours et de voir ce qui allait bien et ce qu'il fallait assimiler en plus. Là, vous êtes revenu sur les faux débutants justement pour rafraîchir les choses. Oui, pour rafraîchir et par curiosité aussi et pour démarrer en douceur. Parce que j'ai peur si je me mets dans les cours qui sont compliqués, je vais encore retomber dans. Ah, il y a des trous. Alors je vais boucher Ouais, ouais. d'abord. Et Vous puis. avez décidé de reprendre tout du début, histoire de. Un peu. Je ne sais D'accord. pas combien de temps je vais faire ça, parce que je vais finir par craquer, aller voir les cours un peu plus compliqués, mais j'en ai déjà regardé quelques-uns. Mais j'essaye de faire une méthode, voilà. Vous faites violence pour aller dans l'ordre des choses. Bon, à Court Ouais. d'Hébreu, c'est une sorte de buffet. Après, on peut se servir comme on veut, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a vraiment une progression. Aujourd'hui, vous manque quoi à la pratique? Tirgoul? En hébreu? Oui. Et la pratique est d'avoir un sujet de conversation qui soit à notre portée aussi. C'est pas forcément évident. Mais voilà, il faudrait un petit peu progresser dans la conversation un tout petit peu plus moins banale. Vous voudriez en fait parler de sujets qui sont différents des vacances, des restaurants, Ouais, de la un peu. promenade. Un petit peu ça. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver. Donc peut-être faudrait un texte qui parle de ça et après c'est peut-être l'idée. Mais ça, c'est peut-être dans le cours après, Ça mais arrive, j'ai ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça pas arrive. été assez loin. Laurence, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Hein? Je vous dis Todaraba. Je veux dire, vous faites une belle équipe les deux là. J'aime Avec bien. éthique? Avec éthique? Ouais. Bon, c'est gentil. Je vais lui transmettre. Moi, il verra la vidéo. Eh bien, écoutez, en tout cas, Laurence, on espère vraiment vous tirer au maximum vers l'objectif que vous êtes peut-être mis en tête, ou s'il n'y a pas d'objectif, en tout cas, le plus loin possible. Et on vous souhaite Behatzlacha. C'est comme ça qu'on dit. Bonne réussite. Bon courage. Ça, tout d'un Et à bientôt. les trottes. Les hydrotes.